aux drogues avec une équipe de type élémentaire. Donc, ça peut sembler bizarre de sortir le train du cauchemar pour montrer un combat des îles brisées, sachant que lui, c'est la récompense des combats des îles brisées. Et ça peut sembler aussi bizarre de sortir une mascotte qui va spam. Oh, bien ça. Fouet, qui est une technique qui afflige peu de dégâts contre les bestioles. En plus, contre un truc qui m'inflige des dégâts quand je lui fais infliger des dégâts. Donc vous voyez que je subis plus dans la gueule que lui ne fait quelque chose. Mais il y a un véritable intérêt qui est celui qui ne se soigne pas. Et si je me rage pas comme un con, je vous montrerai pourquoi c'est intéressant. Là, il va faire son absorbé. Il va pas réussir à soigner. De me faire moins de dégâts. Et tant qu'il est sous la météo des ténèbres, son absorbé est deux fois moins chiant. Plus de réduire les dégâts qu'il me fait de 25%, donc aussi d'office les soins. Le problème, c'est que moi non plus, je fais pas beaucoup de dégâts. Là, il va faire son coup de tête. Donc, autant le faire switch. Donc, le soin de l'Ashrock est absolument sensationnel. Elle fait plus mal. 207, 311. Bref, donc ce que je voulais dire au sujet de l'Ashrock, regardez, ses soins sont de 45 de base pour 289 de puissance, ce qui n'est pas rien. Murkalotte, c'est 50, enfin c'est 289 de puissance, une attaque de 50 de base fait 772 de dégâts. Frappe. Téméraire. C'était lui. Non, lui. Frappe téméraire, c'est 618 de dégâts pour 40 de dégâts de base. Donc il est entre 772 et 618, on va dire au juste milieu. Donc quelque chose comme aux alentours de 680-690 de soins. Ce Leshrock, même si on a l'impression que je pars perdant en littéralement m'infligeant plus de dégâts que lui. Enfin, que moi, ce que je lui inflige, en réalité, je lui ai empêché de se soigner de toute sa vie, voire même plus de 100% de sa vie. Puisque si on fait 680 x 3, ça fait 2400. Non, 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 pas 2400, 1800 plus 80 x 3. Ça fait 2040 et lui il a 7780 PV, donc il se serait soigné pour quelque chose comme 1,15 fois sa vie. Je dis ça au pif, sur la vidéo est finie. Je dois d'abord choisir, donc en gros c'est énorme. Et le fait d'avoir spammé fouet alors que lui il était sous carapace, ça peut sembler vraiment con, mais c'était vraiment salvateur.